Sainte Vierge Marie. Aidez-moi à comprendre que j'étais pas faite pour le couvent. J'ai bien essayé, mais je suis pas capable. Tu devrais dormir. Alice, si tu savais. Je suis assez contente que tu sois revenue, là. Oh, je me suis assez ennuyée. Si tu savais, je... Si je savais quoi? Une mère m'a quasiment pas parlé quand je suis arrivée. Et des appointés sans bon sens. Mais tu comprends bien. Elle était assez contente d'avoir une fille chez les religieuses. Elle va se replacer. Ah, j'étais bien au couvent. L'ouvrage toujours propre. Bien de la prière, mais j'aimais ça. Seulement, ton cœur était pas là. Je l'aime. Tu comprends? My God! C'est qui est avec vous? Il est tout seul comme un chien. Oh! Il me semblait d'avoir entendu parler quelqu'un. En parlant à moi tout seul. Ça t'arrive pas de t'écouter parler des fois? A pas l'air à vous faire grand bien. Êtes donc bien piteux. Ce soir, fêtons l'arrivée de Lauriane, hein? Non. Je suis déjà fait traiter de buvasseur. Je tiens pas ça des voisins. Insulte-moi pas, my godé. J'allais pas se prendre un verre, tu le sais, mais je me suis toujours tenu debout, puis j'ai jamais fait honte à ta mère. J'aime pas ça, moi non plus, me faire picasser pour rien. Ah. Moi, je suis ton père, c'est pas pareil. Père et mère, tu honoreras. Je sais pas si je vous honore, mais je trouve bien capable. Regarde-moi donc, toi. C'est-tu bien Wilfrid, là, que j'entends parler de même? C'est pas ordinaire, ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est-tu un reproche? Ah non. Non, pas de danger. Je suis content que Lauriane soit revenue. Parti de reculons pour le couvent, puis je vois clair. Sacré Wilfrid. Tu te gorgeais? Non, je... J'ai un œil ici, ça passerait pas. Ah, fais-toi pas de bile pour moi. Ta mère, je la connais bien. Dans quelques jours, ça va passer. Bon, oubliez donc ce que j'ai dit. On dirait que c'est moi qui ai pris un coup. La femme du marguillier en charge, es-tu au courant là, pour la bénédiction de l'église? C'est chaud au courant. C'est quasiment moi qui vois tout. Rien que sur l'azur, la fête serait pas forte. T'es bien d'organisation quant à ça. C'est pas pour m'avantager, mais... Lazare aurait jamais été nommé marié s'il n'y avait pas eu une femme comme moi derrière lui. Oh, on sait. La femme d'un bedeau aussi est importante. Puis, je suis au courant de bien des choses. Puis des choses graves. Mais t'es pas au courant de tout pour la bénédiction de l'Église. Ben, j'en sais, puis j'en sais pas. J'ai pas ton importance, moutarde noire, il s'en manque, hein? Bedeau pis moi, on est supposé de souper avec Monseigneur. Tu vas être là, toi et tout? Ouais, on va être là. Pis c'est pas un souper qu'on va avoir. C'est un banquet. C'est Mire Saint-Jean qui a ça dans les mains.
Au-dessus de là, on va faire bonbons. Manger avec mon seigneur. Oh. Puis c'est moi qui souhaite la bienvenue. Putange donc, oui. Coudon, t'as pas l'air ben au courant des dernières nouvelles. Quoi donc? Lauriane Barnier est sortie du couvent. Moutarde-moi. Et tu vas me faire perdre le souffle, toi? Elle est sortie? Mais voyons donc, Malvina, es-tu certaine de ce que tu dis là? Tu sais comme moi. Jérémy tire de son bord. C'est bien vrai qu'ils sont en amour. Ouais. Pourtant, ils devraient bien savoir ce que ça fait, des mariages dans parenté. Mais qu'est-ce que ça fait, non? Ben, ça fait des enfants timbrés. Écoute donc, es-tu parente avec Lazare, toi? Rapport à ton sautereau? Oh, ben, crapaud de cochonnerie! Ah oui, si de me faire insulter de même, j'aurais fait le tour grand! Crapaud de cochonnerie! Donc, ben, chatouilleuse, donc? Oh, ben, Lauriane est sortie du couvent. Ben, qui sait là, que je pourrais bien aller annoncer ça, donc? Comme ça, vous êtes au courant? Au courant de quoi? Je ne sais rien. Sinon que vous semblez très préoccupé. Ma fille est revenue. Votre mari, Lou? Non. Lauriane est revenue. Lauriane est sortie du couvent? Sortie pour de bon? Ça m'en a tout l'air. Elle est arrivée avec armes et bagages. Au fond, vous savez aussi bien que moi que c'était une vocation forcée. Les filles qui entrent au couvent sous le coup d'un chagrin d'amour n'y restent pas. Pourtant, elle avait l'air bien intentionnée. Et vous, dans tout ça? J'aurais été grandement honorée que le bon Dieu choisisse une de mes filles pour le servir en communauté. Vous avez bien dit qu'il la choisisse. Mon mari est allé avoir, puis il est revenu avec. Ils m'ont manigancé dans le dos. J'aime pas ça, si vous voulez savoir. Quand une fille entre au couvent, tout le monde la louange. Mais quand elle en sort, c'est bien différent. Lauriane aura besoin de votre compréhension, Madame Bernier. Justement, je la comprends pas. Pour aimer, une mère a pas besoin de comprendre. Je n'ai pas dit un mot quand t'es arrivé. Vous avez été blessé dans votre orgueil. Pourtant, tout allait si bien. Joseph est revenu. Il a acheté la boutique de Pierre-Étienne. Le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Pauvre Pierre-Étienne, si jeune et malade. Il était si à droite. Votre Lauriane est belle. Et pleine de vitalité. Vous êtes chanceuse. Ouais. Pour le couvent, vous êtes pas trop désappointée. Une fille ne doit pas entrer au couvent sous le coup d'un chagrin d'amour, encore moins pour faire plaisir au curé. Je vous remercie bien, monsieur le curé. Vous êtes une mère admirable, madame Bernier. Je comprends votre déception. Faites pour le mieux. Je m'en essayais. Bonjour. Bonjour, madame Bernier. Mon doux, que ça peut bien être. Entrez! Salut, compagnie! Je vous dérange pas trop, mademoiselle Alice. Bonjour, monsieur Arthur. Non, vous me dérangez pas pantoute, seulement... je suis seule ici dedans, hein? C'est pas de convenance. Toute seule. Et c'est pour ça que je suis venue. Votre mère est montée au village, fait que
J'en profite. Moi. Mais elle aimerait pas bien ben ça si elle savait que je reçois des garçons quand t'es pas là. J'ai l'impression que votre mère a même pas. Je me demande pourquoi. Un bon parti comme moi et... Attendez donc une minute. On va vous arranger ça. Charmante Alice. Mon cœur est rempli d'amour pour vous. Mais pas de prévôté, par exemple. Hein? Tenez bien votre place. Et ma place est près de vous. Tout près de vous. Lauriane? Oui? Descendrais-tu une minute? Mm-hmm. Ma sœur est revenue du couvent, puis elle est un peu triste. Viens t'asseoir avec nous autres, on a de la belle visite, M. Arthur. Bonjour, Lauriane. Bonjour, M. Arthur. Alice, j'ai un aveu grave à vous faire. Mais parlez, M. Arthur, on est deux pour vous écouter. L'autre jour, quand j'ai jeté mon cœur à vos pieds, je savais pas que votre sœur reviendrait. Lauriane. Mais je vous aime passionnément. Mais voyons, qu'est-ce qui vous prend? Choque-toi pas. Monsieur Arthur est jamais sérieux. Oh. Et là, je suis un éternel incompris. Ben, à vrai dire, Mademoiselle Lauriane, je voulais vous faire plaisir, puis j'ai manqué mon coup. Ben non, vous avez pas manqué votre coup, regardez-la. Ben, je vous remercie bien pareil. Rapport à nos amours... Oh. Je reviendrai un bon soir, et puis jouerai du piano pour votre mère. Son cœur se laisse réfléchir, j'en suis sûr. Monsieur Dan? Monsieur Dan! Je suis quasiment rendu. Ah oui, donc, faites-vous pas prier. Merci bien. Hein? Viens t'asseoir à côté de moi. Je suis bien ici. Quand ça fera plus mon affaire, je sauterai en bas de la voiture, puis je m'en irai à Belle Épouvante, comme un chevreu. As-tu peur de moi? J'ai pas peur d'un homme, encore moins d'une créature. C'est tout ce que tu peux dire. Où est-ce que je te débarque? M'en va au presbytère. Avec un pot de cochonnerie, moi tout. Mais non, tu guisses. C'est-tu rendu que tu fréquentes M. le curé, Esther? J'ai le droit? Beau la marche. Que non, tu guisses. Ça te tente pas de te faire couper les cheveux puis de porter un habillement propre? Jamais je renierai ma race. Jamais, vous m'entendez, Melvigna? Jamais. Je dis que t'es sans haut, Tigus. Le chevreux de sauvage, il va arriver au presbytère avant toi. Ça a pris polisson, vous. Oui, avance. C'est dans plein moi. Tu voulais me voir, Laïs? Te voir, oui puis non. Par chez vous, tout le monde va bien? Ah, oh, ben, il n'y a personne de malade, si c'est ça que tu veux savoir. Il n'y a rien de nouveau non plus? Rien de bien intéressant. Bedou n'est pas malade, toujours. Oh, non, non, il est bien extra. Ah, oh, puis, ça sert à rien, là, de tournailler, là. C'est-il vrai que Lauriane est sortie du couvent? Mais coudonc, les nouvelles vont vite. C'est chose faite.
on sait. Les raisons pourquoi est-ce qu'elle est revenue, ça... Hein? C'est bien mystérieux, la vocation. Tu dois être contente, Célina. Une belle fille comme ça, là, elle restera pas longtemps à sa tablette. Ben, en tout cas, il est pas question de ça pour le moment. Lauriane, elle aime bien ça, rester tout seule. Ben, coudonc! Ça n'en fera une de plus là, pour la bénédiction de l'Église. C'est ça. Mon bedeau puis moi, on va être au banquet. Ah, ben nous autres aussi, on est invités. Moutarde noire, il va y avoir du monde là. Ben, il y a ça de bon, le curé normandin, il oublie personne. Puis ton mari qui est revenu là, ça, c'est une bonne affaire. Hein? Il est revenu, puis pour de bon. Bonjour, Laïs. Ah. Je t'attendais. Entre. Salut, curé. Bonjour, monsieur curé. Ah, Alvina. Ah, ben j'ai bien arrangé d'arriver avant lui. Hey, Simonac, j'ai pris une bouche avec elle. J'ai gagné. Si t'es pas trop pressé, Tigu, je pourrais pas faire avant toi. Je veux pas de cachette, curé. Tu peux parler devant elle. Entre, Tigu, viens t'asseoir. Tigus, je voulais t'inviter au banquet qui aura lieu lors de la bénédiction de l'église. Crapaud de cochonnerie! Il va y avoir du monde là? Moi? Je suis invité? Pourquoi faire? C'est toi qui as trouvé la bourse? Tu mérites bien ça. Ben, si vous invitez tout le monde qui a fait quelque chose, il va falloir que vous fassiez bâtir un autre presbytère. La cuisine sera jamais assez grande. Ah, Tigus et moi, on mangera dans le pied de l'escalier. Oh, je suis bien content. Mettez une assiette de plus, curé. Je vais être là. Écoute, Tigus. Il va y avoir Monseigneur Josaphat Maton en personne. Le butin que t'as sur le dos, il convient pas, si tu veux mon idée. Je m'habille comme ma mère me l'a montré. Et moi, Malvina, vous trouvez pas que je suis habillé de façon étrange? Y a pas un homme dans la paroisse qui est habillé comme... Oh, ben, vous, c'est pas pareil, monsieur le curé. Mon idée que Monseigneur va trouver ça... Que Monseigneur va être content. Vous aviez affaire à moi, Malvina? Crapaud de cochonnerie. Je me rappelle plus que ça... Qu'est-ce que je voulais, non? Et prêt, monsieur le curé. Avec Lazare, c'est toujours, toujours correct. C'est pas qu'il est un bon enfant qu'on souhaite, c'est mon seigneur. Quand quêteux demande à loger, je le reçois avec tous les honneurs qui sont dus à un enfant de Dieu. C'est vrai, c'est pas de sa faute s'il est pauvre. Mais vous avez pas peur de poigner des poux, monsieur le curé? Hein, Malvina? Vous mettez en garde, monsieur le curé. C'est vrai qu'il y a de la varmine dans la tête. Hum. Surprend que Laïs en ait pas poigné. Mes bons amis, si on en revenait à nos préparatifs. Vous avez dû manger en masse? Ma bonne Candide fait des merveilles avec peu de choses. En tant que marguillier en charge, achetez ce qu'il faut pour recevoir Monseigneur comme un prince. Non, il sera pas dit qu'à Saint-Jean-des-Bois, on est arriéré. Nous avons une église à payer, Lazare. À part de ça, il y a trop de monde qui ont faim par ici pour gaspiller. Rendu que c'est pas ça. Ben, on pourra peut-être donner un petit cochon de lait. Oh, rien de meilleur. Hein, Malvina? D'abord que M. le curé a ce qu'il faut. Et vous, Malvina, votre discours de remerciement est prêt? Tout va bien?
Je le sais, c'est le bout des doigts, M. Curé. Là-dedans, elle est meilleure que moi. Elle n'est pas gênée, c'est effrayant. Vous emmenez son trop, bien entendu. Il est pas ben accoutumé de sortir. Ça va tellement lui faire plaisir. Faudrait que j'y achète un habillement des dimanches. Ouais, t'as vendu une portée de gorette cette semaine, ça te forcera pas. Restez à votre naturel. Si vous jetez de la poudre aux yeux de Monseigneur, il va croire que tout le monde vit dans l'abondance par ici. Oui. Bon, à demain. C'est ça, M. Curé. À demain. On va être là tous les trois, c'est décidé. C'est beau, mon hasard. J'ai curé. Belle soirée, pas mal dépareillée pour le temps. Hein? Ça doit être l'été des Indiens. On est bien en grand. Sure, Lady Cena, sure. Ah. Il s'en est passé depuis une couple d'années. Cena, tu prends tout à cœur. C'est pas mal dur sur toi, ça. Tu me referas pas. Je suis faite de même. Mais toi, t'es en train de me mettre à ta mode, hein? Il change, ton Joseph. Il change bien gros. T'as croire que l'amour est en train de me faire perdre la raison? Non, t'es Joseph. Dis-les donc que t'es bien parricite. Je suis bien quand ça grouille. Tu vois, demain, là, on va passer une belle journée. Je suis pas plus dévotionné qu'il faut, mais là, je le sais pas. C'est quand même moi qui ai mené à la construction d'église. Puis je suis bien fière de toi. T'es bien à droite rare. La maison du bon Dieu construite par tes mains. Oh. Faut dire que j'ai eu pas mal d'aide. Ça va nous porter chance. Ouais, regardez. La chance pour toi, ça aurait été que Lauriane reste au couvent. Ah, je te connais, Lady Cena. J'ai pilé sur mon orgueil, Joseph Barnier. Lauriane, je l'ai bien reçue. Comme je te connais, là. Hein? Puis il gang bien gros. On est bien, là, tout ensemble? Hein? Pour le temps que ça va durer. Hey, comment ça fait frisquet, là? On va être bien mieux en dedans. T'arrives? Coudonc, Joseph Barnier. Quand t'as acheté la boutique de Pierre-Étienne, t'avais un autre projet? Non, pas en soi, la décision, non, pas en soi. Hein? Une affaire à foi. Hein? Serviette de table, Candide? Une bonne demi-douzaine. Si je sais bien compter, nous aurons 9 invités demain. Ah, vous comptez bien, ma bonne mère. On sera 11 avec vous puis moi. Il manque donc 5 serviettes? Sauf votre respect, d'ordinaire, j'en mets rien qu'à Monseigneur. Pour le banquet, il en faut pour tout le monde. On peut en prêter celle d'Arline. On souhaite. Vous avez combien de couverts? Quel couvert? Oh, assiette, tasse, couteau et fourchette. Ah, ça! Oui. Ben, le marchand général, il a de la vaisselle plein ses tablettes. Quand on a des grandes occasions, il nous prête ce qu'il faut. Vous êtes dans la dèche, Candide. Pardonnez. Vous en avez de la grâce. C'est le dénuement total ici. Ma bonne mère, j'aimerais ça que vous viendriez avec moi visiter les familles. Vous verriez où c'est qu'elle est.
La vraie misère. Comment voulez-vous dresser un couvert convenablement? Il manque de tout ici. C'est bien moi les grandeurs. Je suis pas accoutumée. J'ai eu l'insigne honneur de dîner à l'évêché des Trois-Rivières à mon arrivée de France. Là-bas, la porcelaine côtoie l'argenterie avec un raffinement digne des seigneurs. Jésus-Marie-Joseph. Je serais pas capable de manger là-dedans. Heureusement que vous cuisinez bien. Monseigneur oubliera le décorum. Du moins, je l'espère. Moutarde noire, que tu vas être beau dans ça. Hein? Je te dis qu'il y a du remue-ménage au presbytère, là. La bonne sœur m'a envoyé chercher une pleine boîtée de vaisselle au magasin général. Il paraît qu'il va y avoir des petits plats d'un grand plat au banquet. Moutarde noire, ça va être gênant. Il va y en avoir des plus gênés que nous autres. Mais comment ça, non? Sautreau va être là. J'ai vu Malvina qui essayait un habit tantôt au magasin général. Sautreau? Puisque je te le dis, vrai comme t'es là. Essaye, pis y'a rien qu'il faisait. Ah, oh, ben comme ça, elle l'amènera pas. Il paraît qu'elle va y mettre un habit à Lazare. Es-tu à prêt rire de moi, toi? Hmm? Tu verras bien dans le temps comme dans le temps. Viens essayer ça, là, oui. Hein? Ben, attends-tu comme il faut en arrière, là? Oui, oui, ça tombe bien, là. Okay. Ben, fais le tour de la table pour que je te voie comme il faut, là. Ah. Attends, il y a un fil qui pend, là. Ben voyons. Bon. Ah. Vas-y, là, que je te voie comme il faut. Alors, regarde bien ça. Monsieur Bedeau Bronsard, qui remonte la grande allée pour aller sonner le tinton au Sanctus. Ah! Moutarde-moi! Ah, oh, c'est bien simple, là. Être fier de même, c'est quasiment péché. Ben voyons. Hey, tout le monde va avoir les yeux sur toi, bateau. Puis sur mon seigneur. Puis moi, là, j'en sais hâte, là. Il me semble qu'on n'arrivera jamais à demain. Bon, ben, on te sort, là, puis pour pas la friper, hein. Ah, c'est bon. OK. Tiens. C'est de valeur que je sois pas un petit brin plus grand. On ferait un beau couple. Hein, Malvina? Ah, t'es pas à déjeter. Lazare Carnian dans le banc des œuvres, droit devant mon seigneur. Y a-tu passé comme il faut? Oh, je donnerai pas ma place à personne. Mais m'en va être gêné, là. Mais jamais je croirais que tu vas défaillir devant mon seigneur. Oh, pourvu que le sermon soit pas trop long. Ah. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, quelle grande joie pour moi
de présider à la bénédiction de votre église sur l'invitation de votre bien-aimé pasteur. Si votre curé a des devoirs envers vous, vous avez celui de ne pas le distraire de sa sainte vocation, qui est d'être au service de Dieu. Évitez donc de le distraire de sa sainte mission. La plupart d'entre vous comprennent ce que je veux dire. C'est au sein de ce temple sacré qu'il doit exercer son saint ministère, vous laissant le soin de vous occuper des œuvres de miséricorde temporelle. Cette église que je viens de bénir a été construite avec la collaboration de tous les paroissiens. Et c'est grâce à M. Bernier si les travaux ont été menés à bonne fin. Mais bien, chers frères, levons-nous tous et rendons grâce au Très-Haut en lui chantant d'un seul cœur le Pater Noster. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Monseigneur, oui. Je vous présente mes invités. Oh. D'abord, voici Joseph Bernier, maître d'œuvre de notre belle église. Bonne grandeur. Vous devez être fier, monsieur. Quel beau temple. Eh ben, tant qu'à faire, bonne grandeur, tout se met à travailler comme il faut. Hein? Son épouse, Madame Célina. Bien honorée. Bon, je m'en viens trop cérémonieux. On pourrait faire connaissance en mangeant. Continuez, ça m'intéresse de connaître tous ces gens. Voici Monsieur Bedeau Bronsard. Bonne grandeur. Un Bedeau dévoué. Et Madame Bronsard, son épouse. Bonne grandeur. Oui, je couds à l'heure du pauvre. Voici Monsieur Lazare Carignan. Marguillet en charge et très bien secondé par son épouse. Bonne grandeur. Approche, approche, Sautreau. Voici leur fils, Sautreau. Sautreau, mais ce nom n'apparaît pas dans le calendrier des saints. Ah ben, parlez-moi-en pas, votre grandeur. Après le baptême, ils sont venus avec ce nom-là. La moraine était sourde comme un pote, puis elle n'a pas compris le nom que je voulais lui donner. Oui, toi. Vous connaissez Mère Saint-Jean? J'en entends dire beaucoup de bien. Vous avez beaucoup de chance, ma bonne mère. Instant, tout le monde à table. Un instant, Candide. Pas besoin de te présenter, Monseigneur te connaît bien. Laissez-moi quand même vous dire que son dévouement est sans borne. Votre grandeur. Je fais ce que je peux, mais je suis rien qu'une pauvre créature qui sait pas grand-chose. Avec Candide, pas une misère ne reste sans réponse. Passons à table. Monseigneur. Et maintenant, mangeons. Ah, votre appétit vous fait oublier
le bénédicité, mon cher curé. Vous avez raison, monseigneur. Bénissez ce repas. Bénissez-nous, oh mon Dieu, ainsi que la nourriture que nous allons prendre. Amen. Et bénissez celle qui a préparé ce repas. Bravo! Bravo, Capitaine! On s'en vient trop sérieux. C'est fête aujourd'hui. Voilà le gâteau. Candide, donne un morceau de gâteau à Sautron. Avec une bolle de lait. Ton thé bouillant, Candide. Donne-moi ton assiette. Tiens. Oui. Tiens, tu es tranquille. Oui, ben oui. Tiens, mon Sautron. Merci. Ça, j'avais pas vu ça. Besoin de quelque chose, là? C'est extra de même, Candide. Monseigneur, vous connaissez maintenant mes collaborateurs immédiats. En leur nom, je demanderai à Madame Malvina de vous offrir nos hommages. C'est que mon Lazare, il n'a pas la parole en bouche. Mais ma Malvina est bien capable. Oui, capable. Votre grandeur, Monseigneur Maton, nous sommes bien honorés de votre visite qui s'imposait, vu la bénédiction de notre Église. Au nom de moi-même, puis de tout le monde de la paroisse de Saint-Jean-des-Bois, je vous dis un gros merci. Maman, je voudrais du coco. C'est pas poli, ça. Comme... je le disais à votre grandeur, merci de toutes les bénédictions que vous avez répandues en abondance sur toutes nous autres. On a travaillé d'arrache-pied pour construire cette bâtisse-là. Moi-même, j'en ai tu varlopé de la planche puis posé du clou. Astur, il nous reste à la payer, cette église-là. Et puis, on va en venir à bout. Encore une fois, merci bien votre grandeur. J'ai hâte d'avoir fini ça pour aller me déchausser. Mon oignon fait mal sans bon sens. Candide, laisse tout ça. Viens te reposer. Viens te reposer les jambes. On fera ça plus tard. Oui, monsieur le curé. Monsieur le curé. Pose-toi. Merci. Ben, la bonne mère, elle s'est pas fait prier pour aller se coucher. Elle m'a bien aidée. Mm-hmm. Mission accomplie. Mm-hmm. Pourvu que Monseigneur soit content. Ben, il n'y a pas de raison de pas être content. T'as l'œil clair. Rien ne t'a échappé, hein? Vous avez fait de votre mieux. Puisses-tu dire vrai? Je suis sûre qu'il va vous laisser avec nous autres. Je veux rester à Saint-Jean-des-Bois. Tu m'entends? Je prie le bon Dieu tous les jours pour ça. Il va m'exaucer. Mes invités ont pas eu l'air de tous lui plaire. Excusez-moi, monsieur le curé, mais c'est plus fort que moi. Ris, Candide, ris. Pour toutes les fois que t'as eu le cœur gros, puis que t'as broyé en cachette.
Mais veux-tu bien dire qu'est-ce que t'as à rire tant que ça? Oh, vous avez tout vu, oui, tout. J'ai pas besoin de parler, mais... Je revois la tête, la bonne mère, quand saute de haut. Oui. La tête de Monseigneur. Oh oui. Si t'es pas trop pressé, Tigu, je pourrais pas faire en jouer. J'ai pas de cachette, curie. Tu peux parler devant elle. Antigus, viens t'asseoir. Tigus, je voulais t'inviter au banquet qui aura lieu lors de la bénédiction de l'église. Crapaud de cochonnerie! Il va y avoir du monde là? Moi? Je suis invité? Pourquoi faire? C'est toi qui as trouvé la bourse? Tu mérites bien ça. Ben, si vous invitez tout le monde qui a fait quelque chose, il va falloir que vous fassiez bâtir un autre presbytère. La cuisine sera vraiment assez grande. Ah, Tigus et moi, on mangera dans le pied de l'escalier. Oh, je suis bien content. Mettez une assiette de plus curie, faut être là. Écoute, Tigus. Il va y avoir Monseigneur Josaphat Maton en personne. Le butin que t'as sur le dos, il convient pas, si tu veux mon idée. Je m'habille comme ma mère me l'a montré. Et moi, Malvina, vous trouvez pas que je suis habillé de façon étrange? Y a pas un homme dans la paroisse qui est habillé comme... Oh, ben, vous, c'est pas pareil, monsieur le curé. Mon idée que Monseigneur va trouver ça... Que Monseigneur va être content. Vous aviez affaire à moi, Malvina? Crapaud de cochonnerie. Je me rappelle plus que ça... Qu'est-ce que je voulais, non? Et prêt, monsieur le curé. Avec Lazare, c'est toujours correct. C'est pas qu'il est un bon enfant qu'on souhaite, c'est Monseigneur. Quand quêteux demande à loger, je le reçois avec tous les honneurs qui sont dus à un enfant de Dieu. C'est vrai, c'est pas de sa faute s'il est pauvre. Mais vous avez pas peur de poigner des poux, monsieur le curé? Hein, Malvina? Vous mettez en garde, monsieur le curé. C'est vrai qu'il y a de la varmine dans la tête. Surprend que Laïse en ait pas poigné. Mes bons amis, si on en revenait à nos préparatifs. Vous avez dû manger en masse? Ma bonne Candide fait des merveilles avec peu de choses. En tant que marguillier en charge, achetez ce qu'il faut pour recevoir Monseigneur comme un prince. Non, il ne sera pas dit qu'à Saint-Jean-des-Bois, on est arriéré. Nous avons une église à payer, Lazare. À part de ça, il y a trop de monde qui ont faim par ici pour gaspiller. Rendu que c'est pas ça. Ben, on pourrait peut-être donner un petit cochon de lait. Oh, rien de meilleur. Hein, Malvina? D'abord que M. le curé a ce qu'il faut. Et vous, Malvina, votre discours de remerciement est prêt? Tout va bien? Je le sais, c'est le bout des doigts, M. le curé. Là-dedans, elle est meilleure que moi. Elle n'est pas gênée, c'est effrayant. Vous emmenez son trop, bien entendu. Il est pas ben accoutumé de sortir. Ça va tellement lui faire plaisir. Faudrait que j'y achète un habillement des dimanches. Ouais, t'as vendu une portée de gorette cette semaine. Ça te forcera pas. Restez à votre naturel. Si vous jetez de la poudre aux yeux de Monseigneur, il va croire que tout le monde vit dans l'abondance par ici. Oui. Bon. À demain. C'est ça, monsieur le curé. Non. Admets.
On va être là tous les trois, c'est décidé. C'est beau, mon Lazare. J'ai curé. Belle soirée, pas mal dépareillée pour le temps. Hein? Ça doit être l'été des Indiens. On est bien en grand. Sure, Lady Cena, sure. Ah. Il s'en est passé depuis une couple d'années. Cena, tu prends tout à cœur. C'est pas mal dur sur toi, ça. Tu me referas pas. Je suis faite de même. Mais toi, t'es en train de me mettre à ta mode, hein? Il change, ton Joseph. Il change bien gros. T'as croire que l'amour est en train de me faire perdre la raison? Non, t'es Joseph. Dis-les donc que t'es bien tarissite. Je suis bien quand ça grouille. Tu vois, demain, là, on va passer une belle journée. Aidez-moi à comprendre que j'étais pas faite pour le couvent. J'ai bien essayé, mais je suis pas capable. T'as eu une grosse journée, Lauriane. Tu devrais dormir. Alice, si tu savais... Assez contente que tu sois revenue, là. Oh, je me suis assez ennuyée. Si tu savais, je... Si je savais quoi? Emma m'a quasiment pas parlé quand je suis arrivée. Et désappointée sans bon sens. Mais tu comprends bien. Elle est assez contente d'avoir une fille chez les religieuses. Elle va se replacer. Ah, j'étais bien au couvent. L'ouvrage toujours propre. Ben, de la prière, mais j'aimais ça. Seulement, ton cœur était pas là. Je l'aime. Tu comprends? My God. C'est qui est avec vous? Il est tout seul comme un chien. Oh, il me semblait d'avoir entendu parler quelqu'un. Je vais parler à moi tout seul. Ça t'arrive pas de t'écouter parler des fois? A pas l'air à vous faire grand bien. Êtes donc bien piteux. À soir, fêtons l'arrivée de Lauriane, hein? Non. C'est déjà fait traiter de buvasseux. Je tiens pas ça des voisins. Hein? Insulte-moi pas, my goddy. Faille pas ça prendre un verre, tu le sais, mais je me suis toujours tenu debout pis j'ai jamais fait honte à ta mère. J'aime pas ça, moi non plus, me faire picasser pour rien. Ah. Moi, je suis ton père, c'est pas pareil. Père et mère, tu honoreras. Je sais pas si je vous honore, mais je me trouve bien capable. Regarde-moi donc, toi. C'est-tu bien Wilfrid, là, que j'entends parler de même? C'est pas ordinaire, ce que vous avez fait aujourd'hui.
C'est un reproche? Ah non. Non, pas de danger. Je suis content que Lauriane soit revenue. Elle est partie de reculons pour le couvent, puis je vois clair. Sacré Wilfrid. Tu te gorgé? Non, je... J'ai un œil ici, ça passerait pas. Ah, fais-toi pas de bile pour moi. Ta mère, je la connais bien. Dans quelques jours, ça va passer. Bon, oubliez donc ce que j'ai dit. On dirait que c'est moi qui ai pris un coup. La femme du marguillier en charge, es-tu au courant là, pour la bénédiction de l'église? C'est chaud au courant. C'est quasiment moi qui vois tout. Suis rien que sur l'azur, la fête serait pas forte. T'es bien d'organisation quant à ça. C'est pas pour m'avantager, mais... Lazare aura jamais été nommé marié s'il n'y avait pas eu une femme comme moi derrière lui. Oh, on sait. La femme d'un bedeau aussi est importante. Puis, je suis au courant bien des choses. Puis des choses graves. Mais, t'es pas au courant toutes pour la bénédiction de l'Église. Ben, j'en sais, puis j'en sais pas. J'ai pas ton importance, moutarde noire, il s'en manque, hein? Bedeau pis moi, on est supposé de souper avec Monseigneur. Tu vas être là, toi et tout? Ouais, on va être là. Ben, je suis pas plus dévotionné qu'il faut, mais là, je le sais pas. C'est quand même moi qui ai mené à la construction d'église. Puis je suis bien fier de toi. T'es bien à droite rare. La maison du bon Dieu construite par tes mains. Oh. Faut dire que j'ai eu pas mal d'aide. Ça va nous porter chance. Ouais, regardez. La chance pour toi, ça aurait été que Lauriane reste au couvent. Ah, je te connais, la Décélina. J'ai pilé sur mon orgueil, Joseph Barnier. Lauriane, je l'ai bien reçue. Comme je te connais, là. Hein? Puis il gagne bien gros. On est bien, là, tout ensemble? Pour le temps que ça va durer. Hey, comment ça fait frisquet, là? On va être bien mieux en dedans. T'arrives? Coudon, Joseph Barnier. Quand t'as acheté la boutique de Pierre-Étienne, t'avais un autre projet? Non, pas en soi, la décision, non, pas en soi. Hein? Une affaire à la fois. Hein? Vous savez combien de serviettes de table, Candide? Une bonne demi-douzaine. Si je sais bien compter, nous aurons 9 invités demain. Ah, vous comptez bien, ma bonne mère. On sera 11 avec vous puis moi. Il manque donc 5 serviettes. Sauf votre respect, d'ordinaire, j'en mets rien qu'à Monseigneur. Pour le banquet, il en faut pour tout le monde. On peut en prêter celle d'Arline. On souhaite. Vous avez combien de couverts? Quel couvert? Oh. Assiette, tasse, couteau et fourchette. Ah, ça! Oui. Le marchand général, il y a de la vaisselle plein ses tablettes. Quand on a des grandes occasions, il nous prête ce qu'il faut. Vous êtes dans la dèche, Candide. Pardonnez. Vous en avez de la grâce. C'est le dénuement total ici. Ma bonne mère, j'aimerais ça que vous viendriez avec moi visiter les familles. Vous verriez où c'est qu'elle est. La vraie misère. Comment voulez-vous dresser un couvert convenablement? Il manque de tout ici.
C'est bien moi, les grandeurs. Je suis pas accoutumée. J'ai eu l'insigne honneur de dîner à l'évêché des Trois-Rivières à mon arrivée de France. Là-bas, la porcelaine côtoie l'argenterie avec un raffinement digne des seigneurs. Jésus-Marie-Joseph. Je ne serais pas capable de manger là-dedans. Heureusement que vous cuisinez bien. Monseigneur oubliera le décorum. Du moins, je l'espère. Noire, que tu vas être beau dans ça. Hein? Je te dis qu'il y a du remue-ménage au presbytère, là. La bonne sœur m'a envoyé chercher une pleine boîtée de vaisselle au magasin général. Oh. Il paraît qu'il va y avoir des petits plats d'un grand plat au banquet. Moutarde noire, ça va être gênant. Il va y en avoir des plus gênés que nous autres. Mais comment ça, non? Sautreau va être là. J'ai vu Malvina qui essayait un habit tantôt au magasin général. Sautreau? Puisque je te le dis, vrai comme t'es là. Essaye, puis y'a rien qu'il faisait. Ah, oh, ben comme ça, elle l'amènera pas. Il paraît qu'elle va y mettre un habit à Lazare. Et tu après rire de moi, toi? Hmm? Tu verras bien dans le temps comme dans le temps. Viens essayer ça, là, oui. Hein? Ben, attends-tu comme il faut en arrière, là? Oui, ça tombe bien, là. Oh. Fais le tour de la table pour que je te voie comme il faut, là. Ah. Attends, il y a un fil qui pend, là. Ben voyons. Bon. Ah. Vas-y, là, que je te voie comme il faut. Alors, regarde bien ça. Monsieur Bedeau Bronsard, qui remonte la grande allée pour aller sonner le tinton au Sanctus. Ah! Moutarde-moi! Oh, c'est bien simple, là. Être fier de même, c'est quasiment péché. Ben voyons. Hey, tout le monde va avoir les yeux sur toi, Bedeau. Puis sur mon seigneur. Puis moi, là, j'en sais hâte, là. Il me semble qu'on n'arrivera jamais à demain. Bon, ben, honte ça, là, puis pour pas la friper, hein. Ah, bon, OK. Tiens. Ma sœur est revenue du couvent, puis elle est un peu triste. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, viens t'asseoir avec nous autres, on a de la belle visite, Monsieur Arthur. Bonjour, Lauriane. Bonjour, Monsieur Arthur. Alice, j'ai un aveu grave à vous faire. Mais parlez, Monsieur Arthur, on est deux pour vous écouter. L'autre jour, quand j'ai jeté mon cœur à vos pieds, je savais pas que votre sœur reviendrait. Lauriane. Mais je vous aime passionnément. Mais voyons, que c'est qui vous prend? Choque-toi pas. Monsieur Arthur est jamais sérieux. Ah, et là, je suis un éternel incompris. Ben, à vrai dire, mademoiselle Lauriane, je voulais vous faire plaisir, puis j'ai manqué mon coup. Ben non, vous avez pas manqué votre coup, regardez-la. Ben, je vous remercie bien pareil. Rapport à nos amours, je reviendrai un bon soir, et puis jouerai du piano pour votre mère. Son cœur se laisse réfléchir, j'en suis sûr. Monsieur Dan? Je suis quasiment rendu. Ah oui, donc, faites-vous pas prier. Merci bien. Hein? Viens t'asseoir à côté de moi. Je suis bien ici. Quand ça fera plus mon affaire, je sauterai en bas de la voiture, puis je m'en irai à Belle Épouvante, comme un chevreux.
As-tu peur de moi? J'ai pas peur d'un homme, encore moins d'une créature. C'est tout ce que tu peux dire. Où est-ce que je te débarque? M'en va au presbytère. Avec un peu de cochonnerie, moi tu. Mais non, Tigus, c'est-tu rendu que tu fréquentes M. le curé, Esther? J'ai le droit? Beau la mâche. Coudon, Tigus, ça te tente pas de te faire couper les cheveux puis de porter un habillement propre? Jamais je renierai ma race. Jamais, vous m'entendez, Melvigna? Jamais! Je dis que t'es sans haut, Tigus! Le chevreux de sauvage, il va arriver au presbytère avant toi. Ça a pris polisson, vous. Oui, avance! C'est dans plein moi. Tu voulais me voir, Laïse? Te voir, oui puis non. Par chez vous, tout le monde va bien? Ah, ben, il n'y a personne de malade, si c'est ça que tu veux savoir. Il n'y a rien de nouveau non plus? Rien de bien intéressant. Bedou n'est pas malade toujours. Oh, non, non, il est bien extra. Ah, puis, ça ne sert à rien, là, de tournailler, là. C'est-tu vrai que Lauriane est sortie du couvent? Ben, coudonc, les nouvelles vont vite. C'est chose faite. On sait. Les raisons pourquoi est-ce qu'elle est revenue, ça, hein? C'est bien mystérieux, la vocation. Tu dois être contente, Célina. Une belle fille comme ça, là, elle restera pas longtemps à sa tablette. Ben, en tout cas, il n'est pas question de ça pour le moment. Lauriane, elle aime bien ça, rester tout seule. Ben, coudonc! Ça n'en fera une de plus là, pour la bénédiction de l'Église. C'est ça. Mon bedeau puis moi, on va être au banquet. Ah, ben nous autres aussi, on est invités. Moutarde noire, il va y avoir du monde là. Ben, il y a ça de bon, le curé normandin, il oublie personne. Puis ton mari qui est revenu là, ça, c'est une bonne affaire. Hein? Il est revenu, puis pour de bon. Bonjour, Laïs. Ah. Je t'attendais. Entre. Salut, curé. Bonjour, monsieur curé. Ah, Malvina. Ben, j'ai pas arrangé d'arriver avant lui. C'est Simonac. J'ai pris une bouche avec elle. J'ai gagné. Si. Puis, c'est pas un souper qu'on va avoir. C'est un banquet. C'est Mire Saint-Jean qui a ça à des mères. Au-dessus de là, on va faire bonbons. Manger avec mon seigneur. Oh. Puis c'est moi qui souhaite la bienvenue. Tange donc, oui. Coudonc, t'as pas l'air ben ben au courant des dernières nouvelles. Quoi donc? Lauriane Barnier est sortie du couvent. Moutarde-moi. Et tu vas me faire perdre le souffle, toi? Elle est sortie! Mais voyons donc, Malvina, es-tu certaine de ce que tu dis là? Tu sais comme moi. Jérémie tire de son bord. C'est bien vrai qu'ils sont en amour. Ouais. Pourtant, ils devraient bien le savoir ce que ça fait des mariages dans parenté. Mais qu'est-ce que ça fait, non? Ben, ça fait des enfants timbrés. Écoute donc, es-tu parente avec Lazare, toi?
rapport à ton sautereau? Oh, ben, crapaud de cochonnerie! Ah oui, si de me faire insulter de même, j'aurais fait un tour grand! Crapaud de cochonnerie! Donc, ben, chatouilleuse, donc. Oh, ben, Lauriane est sortie du couvent. Mais qui c'est, là, que je pourrais bien aller annoncer ça, donc? Comme ça, vous êtes au courant? Au courant de quoi? Je ne sais rien. Sinon que vous semblez très préoccupé. Ma fille est revenue. Votre mari, Lou? Non. Lauriane est revenue. Lauriane est sortie du couvent? Sortie pour de bon? Ça m'en a tout l'air. Elle est arrivée avec armes et bagages. Au fond, vous savez aussi bien que moi que c'était une vocation forcée. Les filles qui entrent au couvent sous le coup d'un chagrin d'amour n'y restent pas. Pourtant, elle avait l'air bien intentionnée. Et vous, dans tout ça? J'aurais été grandement honorée que le bon Dieu choisisse une de mes filles pour le servir en communauté. Vous avez bien dit qu'il la choisisse. Mon mari est allé avoir, puis il revenait avec. Ils m'ont manigancé dans le dos. J'aime pas ça, si vous voulez savoir. Quand une fille entre au couvent, tout le monde la louange. Mais quand elle en sort, c'est bien différent. Lauriane aura besoin de votre compréhension, Madame Bernier. Justement, je la comprends pas. Pour aimer, une mère a pas besoin de comprendre. Je suis pas dit un mot quand t'es arrivé. Vous avez été blessé dans votre orgueil. Pourtant, tout allait si bien. Joseph est revenu. Il a acheté la boutique de Pierre-Étienne. Le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Pauvre Pierre-Étienne, si jeune et malade. Il était si à droite. Votre Lauriane est belle. Et pleine de vitalité. Vous êtes chanceuse. Oui. Pour le couvent, vous êtes pas trop désappointée? Une fille ne doit pas entrer au couvent sous le coup d'un chagrin d'amour, encore moins pour faire plaisir au curé. Je vous remercie bien, monsieur le curé. Vous êtes une mère admirable, Madame Bernier. Je comprends votre déception. Faites pour le mieux. Je m'en essayais. Bonjour. Bonjour, Madame Bernier. Mon doux, ça peut bien être. Entrez! Salut à compagnie! Je vous dérange pas trop, mademoiselle Alice. Bonjour, monsieur Arthur. Non, vous me dérangez pas pantoute, seulement... je suis toute seule ici dedans, hein? C'est pas de convenance. Toute seule. Et c'est pour ça que je suis venue. Votre mère est montée au village, fait que j'en profite. Moi, mais elle aimerait pas bien ça si elle savait que je reçois des garçons quand t'es pas là. J'ai l'impression que votre mère m'aime pas. Je me demande pourquoi. Un bon parti comme moi est... Attendez donc une minute. On va vous arranger ça. Charmante Alice. Mon cœur est rempli d'amour pour vous. Mais pas de privauté, par exemple. Hein? Tenez bien votre place. Et ma place est près de vous. Tout près de vous. Lauriane? Oui? Descendras-tu une minute?